Oh, bah, alors là, je la vois déjà venir, la première. Ouais, bah, années 80, voilà, ah, il faut aller dans les violences. Ouais. Alors, quand même, cette chanson avait fait scandale un petit peu à l'époque, parce que le texte, des gouttes salées, tout ça. Et puis finalement, c'était... Bon, on parle de Jeanne Masse, vous avez bien compris. Oui, la toute première fois... Jamais fait le lien. C'est vrai? Non. Je regarde la Corée. C'est pas vrai. Vas-y, donc. Ah bah, bien sûr. Ah bah, le 1. Mais pas du tout. Eh bah, si. Faut que j'écoute plus souvent les textes. Bah, de oui. Alors, c'est vrai que ça pouvait être aussi perçu comme la première fois que je l'ai embrassé, lui, la première fois, voilà. Cette espèce de flashback un petit peu sympa et tout. On est sur une toute première fois avec quelqu'un, en tout cas. Avec quelqu'un, voilà. Avec un look, avec une nouveauté. Petit look post-punk à l'époque. Gros tube, Moussoumara aux manettes derrière. Et puis, je pense qu'elle a vraiment marqué les années 80. Alors, on va remonter un tout petit peu en avant avec les premières fois qui se pratiquaient dans les années 50. Et c'était quoi dans les années 50, voire avant la guerre? Les premières fois, ça a été très souvent pour les garçons. Eh bien, ils allaient au bordel. Et au suivant. Et au suivant. Tout nu. Dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Suivant. Voilà, donc là, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui. Alors là, il parle des trois jours à l'armée, cette coutume autrefois quand il y avait le service militaire, et surtout quand il dit « j'avais tout juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne ». Voilà, c'était souvent là que ça se passait, c'était même parfois les pères qui emmenaient les fistons au bordel pour que leur fils soit initié correctement. Voilà comment ça se passait, puisque sa fiancée, on se fiançait tôt aussi, mais la fiancée, il était hors de question qu'on la touche. Donc, voilà. Très bien. Une autre. Une autre. Au suivant. Ah bah, beaucoup plus poétique, celle-ci. Papier la aussi. Mais de la vie, on ne l'oubliera. La première fille qu'on a pris dans ses bras. La première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère? Qu'elle soit fille honnête ou fille de rien. Qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain. C'est beau parce que finalement... Est-ce que, alors, c'est quoi le souvenir qu'on a de la première fois? C'est pas forcément un bon souvenir, mais ça va nous marquer toute notre vie, Caroline. Oui, c'est vrai. Il y a une très jolie chanson aussi de Marie Laforêt. Non, mais moi, je vous demandais, vous, votre première fois. Ça reste un excellent souvenir. Ah bah, ça, c'est cool. Voilà. Une autre chanson. Pour moi, je m'appelle Ah oui, Lolita, mais par Julien Doré. Par Julien Doré, parce qu'il y a... Alors, le génie de Julien Doré, c'est qu'il détourne les chansons. Et à un moment donné, alors cette chanson, elle a été écrite par Mylène Farmer, inspirée par le Nabokov, pour la chanteuse qui s'appelait Alizée, qui était toute jeune à l'époque. Donc déjà, c'est une gamine qui chante, elle chante un texte un peu... Lolita, si on connaît un petit peu la littérature, on sait de quoi ça parle. Il y a quelque chose de sulfureux. Et Julien Doré, quand il s'empare de cette chanson, il avait le génie de se les approprier. On réécoute le texte différemment. Et il veut changer un truc. Il veut dire, au lieu de « je donne ma langue au chat », je donne ma langue à la chatte. Et là, Mylène Farmer a refusé, bizarrement. Comme s'il y avait une sorte de pudeur, alors que c'est elle qui est à la base de cette chanson, un peu chelou quand même, on va dire. Oui. Et puis on va finir une poésie superbe. Je suis l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Eh mais la chanson, elle parle de ça. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. C'est magnifique. Ah là là. Mais moi, je comprends rien. Je pensais que c'était comme « Dis, donne-nous un peu de ton fromage. » Mais c'est bien pour ça qu'on fait cette émission. C'est qu'il y en a partout. Il y en a partout. Barbara, merci pour cette playlist première fois. Elle était bien charmante, celle-là.